Alors, je vais vous lire l'histoire de Taoki qui correspond à la page 102 et 103. Vous voyez que on retrouve Taoki dans les rues d'une ville où est organisé en fait le défilé du jour de l'an chinois. Donc pour l'occasion, on a des personnes qui défilent avec un dragon, on a une chorale et des gens qui ont des habits traditionnels japonais. Allez, je vous lis l'histoire, mais juste avant ça, je vais vous présenter le mot-outil dont on aura besoin. C'est le mot soudain. Alors la petite astuce, c'est que A-I-N en français, ça fait 1. Eh bien, on fait comme si le A, on ne le lisait pas. Et regardez, ça nous fait soudain. Voilà, allez, je vous lis le texte. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. Venez vite voir le défilé. C'est une fête unique à ne pas rater. À leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono qui portent des masques. Il y a aussi une chorale. La foule admire les chars. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Il suit le son des tambours. Les enfants se laissent entraîner dans les rues du quartier.